Notre rendez-vous de ce soir, il tient toujours? Toujours. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle je suis venue te rassurer. J'en suis honoré. Et ce qui m'énerve, ce n'est pas le fait de passer toute la soirée là-bas, mais c'est la bière que j'ai bu là-bas. Mais elle avait quoi ta bière? Mais ils m'ont vendu une bière à 3 000 francs CFA, ce qui est énorme. Hé, hey, Aïcha, bienvenue chez moi. Mais entre, ne reste pas devant la porte, fais comme chez toi. Hé, hey. Sans qu'on va s'amuser, j'adore quand c'est violent. Waouh, très jolie maison. Merci. Tu m'as trop manqué, viens. Mmh. Toi aussi. Quand tu m'as abandonné avec la grossesse, Henri, il était là pour nous. Et il continue toujours à être là pour nous. C'est normal. Alors, comment s'est passée ta rencontre avec Patrick? Mal et très tendu. Il t'a dit pourquoi il t'a fait venir en France? Oui. Raconte. Il exige 5000 euros. Sinon, il va dévoiler la vérité à Henri concernant Delinda. 5000 euros? Il est fou. C'est une sacrée somme, ça. Je te jure, je suis dans la merde avec cette histoire. Mais de quelle histoire il s'agit? Et moi-même, ta meilleure amie, je ne suis pas au courant. C'est une vérité que j'ai longtemps cachée. Aujourd'hui, ça finit par me rattraper. J'aurais dû suivre les conseils de Perle. Perle? Perle m'avait vivement conseillé de dire à Henri la vérité concernant Delinda. Mais attends, tu me laisses perplexe là. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. En réalité, c'est Patrick le père de ma fille. Oh, le salon. Il va m'entendre celui-là. Tout va bien. Non, désolée, je me suis laissée emporter en même temps à ta place. Je m'inquiète vraiment pour toi. Tu as une très jolie maison. En plus, dans un quartier chic et paisible. Merci. Je l'ai choisi expressément. Henri, je t'aime encore.
Malgré tous nos problèmes, malgré la distance qui nous sépare, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Écoute, Maïva, je ne sais quoi te dire. Dis-moi juste que tu m'as pardonné et que tu me donnes une deuxième chance de te montrer ce que je ressens pour toi. Écoute, Maïva, je t'ai pardonné il y a très longtemps. C'est pour cela que je t'appelais de temps en temps et t'es venu en aide quand j'étais en France. Je sais. Et ça me faisait un bien fou quand tu m'appelais au téléphone, chérie. Je t'aime, Henri. Je t'aime. Maïva, je suis désolé, ok? Je suis désolé. Pendant ce temps que j'ai passé en France, j'ai fait la rencontre d'une femme avec qui j'ai un enfant. Et si je suis au pays, c'est pour l'épouser. Et le mariage, c'est pour très bientôt. On a des projets. Voilà une bonne nouvelle. Tu vois que j'avais raison tout à l'heure quand je te disais qu'on craint qu'à l'amour. Eh oui. Moi aussi, je sais que tu vas trouver quelqu'un de bien avec qui tu feras ta vie. Ouais. Mais avant, je veux que tu me sers un grand verre de vin. Ok. Vas-y. Tiens, ma chérie. Merci. Et que comptes-tu faire maintenant? Je sais. Je dois trouver 5000 euros, sinon j'ai dit adieu à mon mariage avant Henri. Paye-le. Quoi? Oui, paye ce sorcier pour qu'il la ferme à jamais. Où dois-je trouver cet argent? Ce n'est pas une petite somme, hein? Je sais bien. Mais là, tu es dans une impasse. C'est la seule ici qui s'offre à toi, à moins que j'aie une autre alternative. Toutes mes économies que j'ai n'atteignent même pas 1000 euros. Tu sais quoi? Appelle ta maman. J'y ai pensé en venant. Mais que dois-je lui dire pour justifier cette somme? C'est vrai. Ne t'en fais pas. Ensemble, nous allons trouver quoi lui dire. Je vais devoir encore mentir pour une deuxième fois pour cette vérité. Je sais, ma chérie. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Qu'allons-nous utiliser comme prétexte pour cette circonstance? Écoute, fais-moi confiance. Sois tranquille. Il faut que tu manges un morceau pour reprendre des forces. Le temps de réfléchir. D'accord. Mais où es-tu? Ça fait 25 ans que je te cherche. Showman. Ce fameux nom que tu m'avais donné. Un 10 mars 1981. Seigneur, montre-moi un signe. J'ai besoin de ton aide. Oui, Aïcha. Allô, maman. Mais c'est depuis que j'attends ton appel.
Désolée maman, je suis arrivée, j'étais prise par les démarches administratives. C'est maintenant que je peux t'appeler. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut? Au fait, il faut que j'achète des timbres supplémentaires. Combien? 5 000 euros. Pardon? Mais c'est énorme! Oui, je sais, maman, mais si tu ne m'envoies pas cet argent, je ne pourrai pas terminer mes démarches administratives. D'accord. Je vais aller à la banque demain matin. Merci, maman. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. Non, ma fille. Si je ne le fais pas pour toi, pour qui est-ce que je le ferai? Tu es mon unique enfant. Alors, comment va Delinda? Non, Delinda va bien. Mais elle te demande sans cesse, ma fille. Tu nous manques beaucoup. Vous aussi, vous me manquez. Je vais me dépêcher pour rentrer le plus tôt possible. D'accord. Bisous, moi, je vous aime très fort. Nous t'aimons également. Bisous. Au revoir. Merde. Ton plan a marché. Liquide alors que j'ai encore soif. Ok, ne t'en fais pas. J'en apporte, ok? D'accord. Vas-y. Tu vois tout ça? C'est pour nous. Alors dis-moi, ouais. Avec qui vas-tu enterrer ta vie de jeune garçon? Bah, je ne sais pas encore. Ah bon? Ouais. Le moment venu, je verrai. Je suis volontaire, si tu le veux bien. Quoi, toi? Ouais. Arrête. Oh. Avec toi, je l'ai déjà enterré plus de 1000 fois. On peut recommencer. Tu m'offres cette danse? Pourquoi pas? Mais je ne suis pas responsable de ce qui va arriver après. T'inquiète pas. C'est pas si fort comme l'alcool que je prends depuis. Oui, chérie. Tout fonctionne comme prévu. Ne t'en fais pas, elle ne se doute de rien. Je t'avais dit qu'elle s'adora. Je n'attends plus qu'elle passe à la caisse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Bisous. Maïva, 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 s'il te plaît, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu quoi, chérie? Maïva, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans cet état et dans ma chambre? Voilà, chérie, on a juste passé la nuit ensemble. Quoi? Mais
Ça veut dire qu'on a... Oui, chérie. J'ai adoré. C'était magnifique. Mais Maïva, on ne devrait pas. Tu parles de quoi, chérie? Mais Maïva, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça. Tu as profité de mon état d'ivresse. Pourtant, tu sais très bien que je dois me marier. Ça va me contrarier. Alors, viens dormir. Oh, bonjour Aïcha. Bien et toi? Ah, mieux que hier. Tant mieux. Dis-moi, tu étais avec qui au téléphone tout à l'heure? Oh, avec Perle. Je suis au téléphone avec Perle. Mmh. Comment elle va? Très bien. Il faut que j'aille la voir avant de rentrer. Oui, oui, je t'accompagnerai si tu veux. Elle habite en Provence maintenant. Ah bon? Oui. Il faut qu'on aille se préparer. N'oublie pas qu'on doit aller à la banque. On va faire. Tu as oublié que j'ai une rançon à payer. Désolée ma chérie, ça m'était complètement sorti de la tête. Ok, prépare-toi, on va aller. Ah, attends, non, je vais passer un coup de fil à Henri. Depuis que je suis là, je ne l'ai pas appelé. Tu as raison. Il doit vraiment s'inquiéter. Tu as raison, c'est bien pensé. Calme-toi chérie. Ça s'est juste passé une fois et puis on oublie. Viens là. S'il te plaît, arrête. C'est ma fiancée qui m'appelle là, donc la ferme. Allô mon amour. Non, non, je suis debout depuis. Mais ce n'est pas très tôt là. J'étais déjà inquiet. Et comment ça se passe là-bas? Ok, tu le règles, tu reviens aussi vite, ok? Ouais, moi aussi je t'aime. Ciao, bisous. Sébastien. J'ai besoin de 500 000 francs. Ma nourrice que tu connais est gravement malade. On va l'opérer d'une appendicite. Et je me dois de lui venir en aide. Oh là là. Appendicite? Ok, passe à la boutique, je verrai ce que je peux trouver. Tu vois pourquoi le compte commun est bien? Je ne serai pas en train de subir toute cette tracasserie. Nathalie, ne remets plus ce sujet sur la table. Nous sommes mariés sous le régime monogamique avec bien séparés. Je te le rappelle si tu as la mémoire courte. Tu veux d'un compte commun pour te servir à ta guise, n'est-ce pas? Comme tu l'as fait avec le compte de la CCA que j'ai été obligé de fermer. Sébastien, n'exagère rien. N'exagère pas. Il s'agit là d'une nécessité. Bon, imagine, s'il t'arrive quelque chose et il faut de l'argent pour te sauver, je fais quoi? T'inquiète pas pour ça. Notre famille a l'une des meilleures polices d'assurance du pays. Même pour mes petits besoins. Nathalie, nous fonctionnons ainsi depuis des années. Est-ce que tu manques de quelque chose dans cette maison? Non, justement parce que je suis devenue ta petite chienne qui doit rester attendre que son mère vienne tout lui donner. Madame, je t'ai demandé de venir travailler avec moi à la boutique moyennant un salaire. Et tu as refusé. Assume. Je vais rentrer tard. Puis-je savoir pourquoi? Bien sûr. J'ai une réunion de travail avec les Canadiens. Ils vont nous présenter des nouveaux produits. Et quand tu parles de nous, il s'agit de Rose et toi, pas vrai? Nathalie, tu débloques ou quoi? Je parle de tous les commerçants de la ville, madame. Et c'est à l'hôtel Giovanni à 12h30. Viens si tu es commerçante, surtout si tu as un passe pour ça. Écoute, Henri, j'aimerais que tu saches que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Mais je ne regrette pas. Écoute, je suis autant désolée que toi. Donc, de grâce, ça doit rester entre nous, ok?
Ne t'inquiète pas. J'aimerais te poser une question. Vas-y, je t'écoute. Si tu n'avais pas déjà quelqu'un dans ta vie, est-ce que tu m'aurais donné une deuxième chance? Peut-être que oui. Tu sais, Maëva, j'étais vraiment amoureux de toi jusqu'à ce que ce malheureux incident ne se passe. Je regrette vraiment d'avoir embrassé Dick, ton ami, à cette soirée. Il n'était pas mon ami. S'il l'était, il ne t'aurait jamais embrassé. Je voulais que tu saches aussi que je ne l'ai jamais couché avec lui. Écoute, Maëva, c'est important? Non, mais je voulais que tu le saches. Tout n'est pas perdu, Maëva. Tu as toujours mon amitié et tu peux compter sur moi en cas de besoin, d'accord? D'accord, Henri. Ok. Allons, je te laisse à la porte. Merci.